Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est le mercredi, le 14 août 2019. Les marchés sont en forte baisse. La raison principale là, ce matin, vous savez, hier, là, Donald Trump a dit qu'il reportait les tarifs de 10 % là, sur les 300 milliards en Chine du 1er septembre au 15 décembre. Donc, ça a fait rebondir les marchés, mais on a tout perdu ça aujourd'hui. Là, il y avait plein d'autres nouvelles négatives aujourd'hui. Il y a ce qui se passe à Hong Kong avec la police qui a averti qu'il était pour faire des choses, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Il y a aussi la grosse nouvelle ce matin, c'est l'inversion des taux. Ils disent que la courbe des taux s'est inversée sur le rendement de 2 ans, dépasse les taux de 10 ans, et ce qui enclenche un avertissement de récession. La dernière courbe des taux de rendement a eu lieu en décembre 2005, 2 ans avant la récession provoquée par la crise financière. OK. Là, ils disent que selon Crédit Suisse, une récession survient en moyenne 22 mois après une telle inversion. OK, mais c'est une statistique, là. Il faut quand même qu'après cette inversion-là, qu'il se passe des choses aussi graves qui s'étaient passées dans le cas des papiers commerciaux, là. Le rendement des obligations américaines de 30 ans tombe à un niveau record et menace de passer sur la barre des 2 %. En plus, les données en Allemagne qui étaient mauvaises aujourd'hui, puis l'Allemagne qui compte beaucoup sur ses exportations. Et puis, c'est pour toutes ces raisons-là que le marché a chuté. Donc, on est en train là, de faire une tentative d'inversement parce que vous voyez que la tendance baissière se maintient depuis ce matin. Puis là, bon, on aurait une possibilité d'inversement ici. Là, c'est là que ça va se passer. Pas sûr encore que ça va se confirmer à la hausse. Du côté des secteurs, vous voyez, le secteur énergie est en forte chute. Il y a beaucoup d'élan baissier dans le secteur énergie. Il y a l'or qui est en hausse, mais les titres orifères ne veulent pas collaborer. Et puis, tous les autres secteurs à Toronto sont en baisse, incluant le cannabis là, qui est en baisse pas mal. On avait quelques résultats financiers aujourd'hui, celui de Tilray en partant qui rechute Tilray sur son support. De moins 27 cents à moins 32 cents qui sont allés. Mais ici, c'est en forte chute aussi de 15 %. Il passe de 45 cents à 28 cents les profits.
UA est un peu en hausse, mais avec un bon profit de 56 à 73. Luckin Coffee, moins 45 à moins 48. Le titre inverse sa tendance haussière. Le métro était en baisse à l'ouverture, est revenu en hausse, maintenant est au point neutre malgré un très bon résultat de 69 à 90, 12 % d'augmentation des ventes. Canada Goose est en décrochage, en élan baissier, sur un revenu de moins 24 à moins 21, donc c'est probablement que les prévisions étaient meilleures. Charlotte Web, 4 cents à 2 cents, le titre chute quand même. Et CAE, 28 cents à 24 cents, le titre a traversé son support avant de remonter au-dessus de son support. Donc, regardez le secteur énergie. USO a tout perdu ce matin, ce qu'il avait gagné hier après avoir touché à sa ligne de tendance. Le gaz fait rien, est un petit peu en baisse et les titres... Comme vous voyez, le TTEN était en train de traverser son support, mais en fait, il y en a plusieurs qui ont traversé leur support. Là. Il y a Prairie Sky qui sont en élan baissier, Prairie Sky, Kelt, Paramount, Tourmaline, Secure, Crescent Point, Perex, Torch Oil, Suncor, Imperial Oil, Freehold, et puis les autres, bien, c'est des continuités à la baisse, là, Vermillon, Enerflex, CES, Enseigne Energy Service, Advantage. Donc, vous voyez, c'est très lettre, là. Il y a Husky Energy qui est en élan baissier aussi. Donc, c'est tout le secteur qui est comme ça. Du côté de l'or, on a fait une couple de tentatives ce matin de traverser la résistance. Là. On les voit ici, là, ces deux tentatives-là. On a même fait un nouveau haut à un moment donné, mais très, très faible. Mais là, on est en train de redescendre encore une fois. Donc, si on va les regarder comme ça, vous voyez, USO est en baisse, les titres baissent plus que USO. L'or est en hausse, mais redescend, mais vous voyez que les titres redescendent beaucoup plus vite. Là. Donc, l'or est encore presque tout près de son haut, tandis que les titres viennent de décrocher encore pour s'en aller vers le point zéro. Donc, il y a beaucoup de réticence sur l'achat des titres, même quand le secteur va bien, mais quand le secteur va mal, comme USO, bien, les titres descendent plus. Donc, autrement dit, les titres sont plus faibles que les ressources, encore une fois. Et puis là, les mines, les services financiers, les industriels, là, tous les secteurs sont à la baisse. On regarde maintenant le cannabis. C'est les résultats financiers de Weed ce soir. Et donc là, ce matin, il a commencé en baisse. Il y a eu un rebond, mais on est retourné en baisse tout le temps. Il n'y a pas d'inversement encore. Vous voyez, Tilray a descendu beaucoup plus bas qu'hier. Après un rebond, on redescend là aussi. Il y a même Aphria qui a fait une autre chute tantôt. Regardez, ACB maintenant à son tour de faire un nouveau bas. Donc, c'est très négatif là, du côté du cannabis là, à éviter encore totalement. On y va avec une première question de Ray. Mathieu, Ray a payé 4,69. R-A-Y.A. C'est Stingray. Bon, ben, vous avez un bon profit là-dessus. Je pense pas qu'il y a trop de matière à s'inquiéter. Regardez, le marché qui descend semble même pas avoir d'effet sur le titre. Le titre qui avait inversé sa tendance baissière dans le dernier mouvement, son cycle haussier demeure encore valide puisqu'on n'a jamais reperdu jusqu'à la moitié du mouvement. Donc, moi, je pense que pour l'instant, pour question de protéger vos profits parce que 6,49, c'est ici, là. Okay? Donc, moi, je mettrais un stop à 7 piastres sur le titre. Transat d'achat 8,95 PRZ. Vendu la moitié à 16,62. Il vaut 16,83. Je conserve ou je vends le restant? Ben, écoutez, c'est un peu selon votre feeling. Vous savez, là, c'est une histoire de takeover. C'est une histoire de transaction. Là. On sait qu'il y a encore du monde qui essaye de faire des surenchères. On sait qu'il faut que ce soit accepté aussi dans un meeting plus tard là, par les actionnaires. Qu'est-ce qui peut arriver? Je pense que de mettre un stop juste en dessous de sa dernière hausse là, à 16,25, 16,20 serait plus prudent. Mais c'est à peu près tout ce que je ferais, je pense. Mais vendre la position, ce ne serait pas mauvais non plus. Mais je comprends que vous voulez les garder au cas où il y aurait encore une autre surenchère là, comme il y avait déjà eu toutes ces fois-là ici.
M'as-tu dit quelque chose, Max? Le plus gros risque, c'est que le Bureau de la concurrence du Transport Canada n'accepte pas la transaction. Ouais. Ça, ça n'a plus rapport avec les actionnaires ou rien. Ça, c'est le Bureau de la concurrence. Comme Max dit, c'est le plus gros risque maintenant, ce serait que le Bureau de la, de la concurrence n'accepterait pas la transaction. Bon, qu'est-ce qui arrive? C'est pas fait. Qu'est-ce qui arriverait dans ce temps-là? Mais il peut y avoir un autre. Ça peut être accepté pour un autre acheteur quand même. Là, fait que c'est bien difficile à dire qu'est-ce qu'il y a. Mais je pense que votre argent est fait. À 16,83, à 16,83, vous faites 100, presque 100 %. Bon, Michel, aurais-tu le nom d'une compagnie qui fabrique des bonnes pilules pour le cœur? Ça a rapport à la bourse, j'espère, Daniel, pas à votre santé, là. Parce que moi, je suis pas... Non, je connais pas de cardiologue, j'ai pas de problème cardiaque, là. LB, prochain point d'entrée. La Banque Laurentienne se comporte quand même bien depuis une secousse. Pendant longtemps, elle a mal été, là, mais depuis son inversement, elle se conduit mieux que les autres. Mais le point d'entrée, c'est 46,5. Shop, point d'entrée. Puis regardez, quand je dis la Banque Laurentienne se comporte mieux que les autres, regardez l'indice, lui, il est vraiment à la baisse. Là. Puis les banques, beaucoup de banques sont en élan baissier aujourd'hui. Shop, prochain point d'entrée. Bon, ce sera au-dessus de la résistance. Le marché, il se corrige comme le marché, pas autant. Là. C'est, ben, en fait, 4,7 %, c'est pas gros pour un titre de technologie. Ce serait dans le coin de 498 $, le prochain point d'entrée. C'est quoi la différence entre HGU et HBU? Qu'est-ce qui réagirait mieux suite à une récession HGU ou FNB baissier comme HQD? Mon Dieu, c'est beaucoup de choses dans deux lignes, ça. On commence par c'est quoi la différence entre HGU et HBU? Je ne me souviens même plus c'est quoi HBU, là. C'est quoi ce Beta Pro Gold Bullion? C'est un. Ça a l'air être. Ça suit GLD, ça. OK. Donc HGU suit. TTGD, puis HBU, il suit GLD. C'est pour ça que, attendez un peu, on va tout mettre ça ici. Je vais aller dans l'or. On va faire ça ici. Puis là, TTGD, là. Et puis, on va mettre HGU. OK, comme ça. Clink. De même. OK. Là, je vais aller dans cette liste-là. On va montrer GLD, HBU, TTGD, HGU. Bon, regardez, GLD, ça, c'est le prix de l'or. Vous voyez que l'or, qui est comme à sa résistance, vous voyez, HBU, il est pareil. Donc, HBU suit GLD. Et puis, TTGD, qui est l'indice de l'or, OK, c'est HGU qui fait la même chose que TTGD. OK? Regardez, ils sont pareils. Donc, HGU, c'est comme TTGD, puis HBU, c'est comme GLD. Suite. Qu'est-ce qui réagirait le mieux suite à une récession? HGU, bien, suite à une faiblesse des marchés, en théorie, l'or devrait remonter, OK? Mais c'est jamais une garantie. Il peut arriver autre chose en même temps qui pourrait faire chuter l'or aussi. Mais en principe, l'or devrait monter. Ou FNB baissier comme HQD. Bon, bien, là, c'est une autre affaire. Si vous parlez de l'or ou si vous parlez de d'autres secteurs, dans une récession, dans un marché baissier, ça va être les FNB baissiers. Il n'y en a pas juste un, il y en a beaucoup. J'ai acheté malheureusement TGOD hier à 4365. TGOD. Ouh. OK. 3,65, OK, peut-être dans ce petit mouvement-là, en toute fin de journée, là, c'est ici qui était à 3,65, c'est ça. Bon, quoi faire avec ça ce matin, c'est bien difficile de vous le dire là, après que ça s'est fait, mais techniquement, à 3,10 $, il y aura encore un autre signal baissier, ça veut dire qu'il sera reparti pour plus loin. Donc, pour l'instant, je le tofferai. OK? Mais l'idée d'avoir un stop à 3,10, je pense que ce serait une bonne chose. Mais peut-être pas le vendre à perte là exactement. On va jeter un coup d'œil sur le secteur cannabis pour voir.
Voici, ça a bougé par rapport à tantôt. C'est un peu fatigant parce que HMMJ est sur son bas, Wheat est sur son bas, Afria continue à descendre. Regardez Aurora, là, wow, écoute, ça, 8,53, 8,10, il a descendu beaucoup encore dans les dernières minutes, là. Puis la plupart des titres ont de la pression à la baisse, je comprends même pas. C'est parce que Wheat n'a pas suivi là. Parce que j'ai l'impression que s'il décroche, ça va descendre encore. En tout cas, moi, je ferais ça avec un stop. Là. Salut Michel, dans ton opinion, qu'est-ce qui explique pour l'or la différence de direction aujourd'hui entre la ressource et les titres? C'est la confiance. C'est tout simplement ça. C'est la confiance. Même si l'or est en hausse, il semble que le marché n'a pas confiance, que les titres d'orifères valent plus cher à cause de ça. C'est l'offre et la demande. Il n'y a pas de raison particulière. C'est pas la première fois qu'on voit ça. On voit ça très souvent. Même que des fois, on voit l'inverse. Des fois, c'est la confiance est dans les titres. Des fois, les titres montent avant même, bon, pourrait faire, on a vu ça encore tout dernièrement, plusieurs titres orifères qui avaient fait des élans haussiers quand l'or n'était pas en élan haussier, il était resté dans sa formation neutre. Pour du day trading aujourd'hui, HOU ou HOD? Ah ben là, écoutez, il y a déjà un petit bout de fait. Oups, il semble qu'on s'en va encore sur de la baisse. Là, HMMJ semble vouloir faire un nouveau bas. Regardez, HOU, hier, il montait. Aujourd'hui, il descend. Donc, HOU ou HOD, pour l'instant, c'est si le pétrole est là. Donc, si le pétrole est pour monter là, c'est HOU. Puis, si le pétrole est pour descendre là, c'est HOD. L'histoire, c'est que entre les deux, regardez, on va mettre juste un graphique en 5 minutes, là. Donc, le plus grand des potentiels est après, à mon avis, à la baisse, parce que si on chute en dessous de ici, si 11,23, 11,25, 11,24, là, regarde, à 11,24, USO serait passé à travers son support, OK? Donc là, c'est HOD qui serait intéressant. Puis il y aurait du potentiel jusqu'à temps qu'il descende en bas là. Puis en fait, si on regarde, là, je devrais être capable de voir son creux. Donc le potentiel serait jusque là. OK? Donc l'équivalent d'à peu près une pièce probablement dans HOD. OK? Donc le potentiel, ici, si on chute là, on s'en va là. Puis si on repasse les 11,5, on s'en va à 11,90. Donc là, ici, il y a 40 cents, tandis qu'en bas, là, il y a à peu près 90 cents. Donc, il y a deux fois plus de potentiel sur le mouvement s'il était baissier que si le mouvement était haussier. ELD et BTO. ELD. C'était le plus beau ce matin, mais il ne passe pas. Il a passé une petite affaire, puis après ça, il est resté là. Regardez, il est resté bloqué là. Donc, je dirais que ELD, là, c'est comme 11,50. Il est à 11,32, là, mais on va regarder en 5 minutes, là, ça pourrait être un petit peu plus serré que ça, là. Bon, OK, 11,45, mettons, OK? Puis BTO, il est moins favorable, à mon avis, que l'autre, qui démontre beaucoup plus de force, là. Puis dernièrement, il a été aussi très, très fort, Eldorado. Donc, ce serait seulement passer les 5 piastres, à peu près 5 et 6, là, pour BTO. Mes positions HXD, TSX à la baisse sont à profit. Devrais-je liquider au moins la moitié afin de sécuriser mes profits? OK, contrôle F6, on va aller là. Donc là, vous avez le TSX qui s'en va là. OK? Moi, je dirais que oui, si vous avez un bon profit, moi, je prendrais un profit de la moitié de la position. Mais je pense qu'il faut pas. Je pense que vous pouvez toujours vous rendre à 16 000 là, avec le TSX. Là. Tout indique que le TSX s'en va à 16 000. Fait que j'en vendrai juste la moitié. Puis, HXD. Donc, HXD, il avait même pris un petit peu d'avance, il pourrait se rendre à 5,30. Là, il est à 5,18. J'ai acheté au STK Nasdaq 17,45. Overstock. Ouch. Là, il est à 16,92. Avec la chute, hier, en plus, il était en chute quand le marché était en forte hausse. Puis là, aujourd'hui, il chutait encore. Vous auriez dû mettre un stop à votre prix payé, au moins, Robert.
Puis là, bien, regarde, s'il décroche encore, je ne sais bien pas où il va aller. Ses cotes ont été vraiment fortes, à partir de 25 à là. Ouh, cette valeur que vous n'ayez pas pris. J'espère que c'est pas à matin que vous avez acheté ça, là, parce que à matin, c'était pas un signal d'achat. Là. Puis là, bien, 16,45, il y aurait un autre signal de vente sur ça. J'ai fait une belle petite trade d'Idiane avec TVX ce matin. Je suis sorti avec 8 % de gains. Je surveille pour recommencer. Bien, c'était le temps, là, parce que c'est dans des moments comme ce matin que TVX est intéressant. J'ai même moi-même fait une transaction ce matin, mais j'ai fait moins que vous, par exemple, mais j'ai pas eu le temps d'en faire plus, 2 %. Il est quand même très beau, tandis que je le trouve. Il est ici. Donc, et puis là, on va le mettre en minutes pour avoir tout le graphique de la journée. Donc, ouais, là, le marché a fait un double creux. C'est pour ça que TVX est là, parce qu'il fait toujours l'inverse, là. Okay? Donc, le marché a fait son plus bas ce matin là, à 11h15. On est revenu encore il y a quelques minutes à 11h48. Puis là, on est en train de redescendre. Donc là, maintenant, il s'agit d'attendre que le marché vienne faire un nouveau bas, puis que lui, il redécolle en haut de 22 et 25. Ça va être là le meilleur moment. Matt Zena monte sur ses résultats. Mais tu sais, il y a une grosse résistance à 1,60 $. Pour l'instant, ça s'est passé d'une manière très soudaine. Il y a eu un stock, il a parti en hausse ce matin, mais il a fini sa cote en 5 minutes à la baisse. Donc, il est parti sur un volume descendant parce qu'il a ouvert là, puis tous les volumes ont été sur des ventes. Après ça, on est revenu ici, puis là, il y a sur une seule cote de 175 000, le titre est passé de 1,46 à 1,52. Il y a un comportement quand même un peu bizarroïde, là, mais avec sa, il y a peu de chances qu'il aille traverser sa résistance d'une pièce et 60. Tiens, on va faire une petite pause. Mon Dieu, je ne vois plus rien ici. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On est en train de découvrir un stock là, qui pousse fort. Novavax sur Nasdaq, NVAX, tiens, qui vient juste de faire un nouveau spike. Là. Le peut-être sur ses résultats financiers aussi. Là. On vient juste de le découvrir. Bon, OK. J'ai 200, Daniel, j'ai 200 S d'or payé 52,40. SDOW. Payer 52,40. À combien dois-je fixer mon profit? Avec les swings des derniers jours, est-ce que l'on vend toute la position au lieu de prendre un premier profit? Mais c'est sûr que c'est plate quand on arrive, puis une journée comme un matin, padang, ça vire de l'autre bord. Je continue à dire que c'est une bonne stratégie de prendre un profit. Par contre, c'est sûr là, que si demain matin, le marché ouvre en hausse de 300-400 points, bien là, il va sauter direct par-dessus votre support, puis vous allez être en perte. Là. Mais la chose qu'on peut... En tout cas, vendez tout ou vendez la moitié, mais prenez-vous un profit.
Il vaut 54,25, vous faites 2 piastres, donc vous faites 400 piastres, puis quand un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, je continuerai à dire que j'en vendrai la moitié et je mettrai ça à 53,70, le point de sortie. Mais regarde, les deux réponses sont bonnes, hein, Daniel? Agir puis prendre des profits, être moins gourmand, mais s'assurer qu'on fait de l'argent sur une base régulière puis qu'on est moins gourmand dans des genres de marché comme on est là, bien, je pense que c'est une bonne chose aussi. Là. Personne ne pourrait vous reprocher de prendre votre profit puis sortir de là. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, là, dans la journée, là, si vous ne le vendez pas tout de suite, mettez-vous un stop à 53,70. Salut Michel. Je ne sais pas si tu en as parlé, mais pour les prochains supports, on a 24 700 sur le DAR. Où vois-tu le suivant? Bien, je les ai justement regardés tantôt. Le support sur le Dow Jones, il est à 24 450. Bon, vous me parlez de ça en intra-séance, là, vous, là, probablement. On a 24 700 sur le DAR. Bien là, même en intra-séance, c'est 25 650. Puis là, vous me parlez de 24 750. C'est loin. Il y a un support avant ça. Là. C'est beaucoup, beaucoup de points. 25 667, 25 682 là, qui est présentement. Le support en bas, 24 700. Donc, c'est un 1000 points, mais ça va s'arrêter ici avant, là, OK? Donc, ce support-là, il va compter. Donc, à mon avis, là, on peut espérer 25 470, là, à prime abord, OK? Parce que ça serait surprenant qu'on allait passer à travers un support comme ça. Mais le suivant, après, puis le suivant, c'est 24 750. Puis après ça, tiens, c'est ça ici, 24 750. Puis après ça, l'autre, les autres, c'est plus bas. Là. Il y en a un ici, puis il y en a un là, puis il y en a un là. Ils sont tous à peu près à 400-500 points chacun. OK? Donc, mais ça fait loin à prédire. Là. On a déjà assez. La commande est grosse déjà. Moi, je pense qu'on s'en va là sur le premier support. Puis ça va prendre une couple de jours avant qu'on décroche pour aller en bas. Je remarque que AQN et FTS sont à la hausse lorsque les marchés baissent. Pouvez-vous expliquer? Ben c'est peut-être pas nécessairement comme ça, là. Tu sais, regardez la volatilité des derniers jours. T'sais, c'est deux services aux collectivités. Les services aux collectivités sont en tendance haussière. Donc, Algonquin, c'était un des plus solides. Donc, de là à dire, il faudrait le comparer, tiens, je vais le mettre là, puis l'autre c'est FTS, c'est Fortis, tiens, je vais le mettre là, ils sont tous les deux pareils, puis tiens, on va mettre le DAO, tiens, là, puis là on va aller ici, puis on va regarder ça de même, tiens, le DAO Option, tiens, donc AQN, ces deux-là sont à peu près similaires, OK? Il y a juste... Et puis, le DAR, lui, descend. Mais, regarde, quand le DAR montait ici pendant juin jusqu'à la mi-juillet, juin, les titres ont monté, puis là, ils se sont calmés. Donc, on ne peut pas dire qu'un va d'un bord, lui, un va d'un bord quand l'autre va l'autre bord. C'est pas vraiment une théorie. Je suis désolé, je ne peux pas embarquer de ce côté-là. J'ai acheté ce matin HQD 551. HQT. 5,51 vaut 5,58. Les marchés sont sur le bord de faire un nouveau bas encore. Donc, on pourrait bien traverser. Là, si le marché fait un nouveau bas, il va traverser sa résistance. Donc, tout est beau pour l'instant. Quoi faire? Bien, 5,51. C'est pas loin. Là. Okay, 5,51, c'est ici. Puis 5,58 est là. Vous faites 7 cents. 10 % c'est 55 cents, OK? Mais c'est pas très volatile, là, ce stock-là, OK? Ça fait que je pense qu'il faudrait prendre un profit. Là. Moi, je dirais, là, regardez, si le marché tel qu'on voit là, avec une formation triangulaire descendante, il semble qu'il va décrocher un peu plus bas, bien, sinon... Au mieux, là, vous devriez mettre un stop à 5,50,
2, 5,54, là, quelque chose de même, même 5,53, je dirais, juste pour s'assurer que vous n'irez pas en perte si jamais le marché se met à rebondir. Puis on a vu ça souvent, là, que le marché en après-midi, bang, il remonte, puis on regagne tous les points qu'on avait perdus. À ce moment-là, vous seriez en perte. Fait que mettez-vous un stop, au minimum un stop, juste au-dessus de votre prix payé. Puis si le marché décroche, bel et bien, comme je pense, encore un peu plus bas, bien, dépêchez-vous de vendre la moitié dans le prochain cycle baissier quand il va arrêter de descendre après son cycle. CP à Toronto, prochain signal. Ça va prendre un bout de temps parce que le secteur industriel menace de traverser son support. CP, ça va être juste à la traversée de sa résistance. Donc, ça va être 322,5 $. Mais ça m'étonnerait qu'il aille l'attraper. Parce qu'il va bien suivre comme les autres. Là, que CN s'en va par en bas. Salut Michel, j'ai TVIX à 20 et 25. Qu'on a quelque part ici. À 20 et 25, tiens. Donc, comme le marché est sur le bord de faire des nouveaux bas, bien, le TVX est sur le bord de faire des nouveaux hauts. Vous êtes à 20 et 25. La tendance est comme ça. Les supports sont là. Ça fait que ça serait inversé ici. Donc, 21,5 $. OK? Donc, vous feriez 1,25 $. Là, dans le moment, vous faites presque 10 % parce qu'il est presque à 22 et 25. Fait que disons que c'est parce que 22 et 25, tu sais, il y a une pièce de là à là, là. OK? Ça va vite, hein? La pièce, elle perd vite. Donc, là, quand on le voit, le profit, on essaye bien de l'avoir. Là, moi, pour l'instant, là, je prendrais mon premier profit, en tout cas, au plus tard 21 et 75. Mais j'attendrai un peu parce que si le marché, regarde, le marché est en train de faire un nouveau bas. Là. Ça fait que, donc, le TVIX va peut-être décoller. Là. Il y aura un point d'entrée à 22 et 25. Ça fait que, donc, si le marché ne décroche pas, puis il revient à 21,75, je vendrai la moitié. Puis si on repart ici à la hausse, bien, regardez, assurez-vous qu'en haut du prochain cycle aussi, vous aurez pris votre profit d'une moitié. GCL à Toronto. Ton opinion, je ne tiens pas le titre. GCL. Il collabore plus, là. Le collabore, là, il s'en revient par en bas. Il n'y a rien de très négatif encore. Le marché étant de ce qu'il est, je trouve qu'il se comporte assez bien, là. Il a perdu 3 % en 3-4 jours, là. Aujourd'hui, c'est 1 %. Il n'a pas inversé sa tendance. C'est un des titres qui a vraiment performé sur le marché de Toronto dernièrement. Donc, je ne le tenais pas. Mais regardez, il faut attendre qu'il remonte à 1,5 $. Qui se déplace de côté et puis quand il passera à 1,10 $. VNP à Toronto, le prochain signal. C'est pas demain la veille. Parce que regardez, même s'il repartait ici, là, OK, à 2,45, là, ce serait toujours à l'intérieur d'une tendance baissière. Ce serait comme de l'avoir acheté là ou là ou là ou là s'il décollait ici. OK? Ça fait que ça va prendre du temps. Il ne serait pas vraiment en tendance haussière tant qu'il ne serait pas remonté en dessous de 2,60 $, en dessous de 2,70 $, puis qu'après il traverse à 2,80 $, ce serait seulement que là qu'on aurait une nouvelle tendance haussière. BCB Toronto, point d'entrée pour une vente à découvert. Cut Beverage. Bon, en principe, ce serait là, OK? Ce que je trouve fatigant dans son affaire, là, c'est que ça fait 1, 2, 3, 4e journée qu'il descend. C'est quand même assez rare qu'on l'a vu descendre plus que ça, OK? Mais d'un autre côté, c'est un nouveau bas aussi. Ouch! C'est juste le seul côté négatif qu'il y a, c'est ça. Ça faisait plusieurs jours qu'il descend. Par contre, dans son graphique hebdomadaire, on voit qu'il y a de la place en masse pour se rendre à 13,5 $. Je ne pense pas que ce soit un mauvais short. Analyser EVA sur Venture, EV et compagnie. Acheter à 39 cents avant la montée à 59 cents. OK. Est-ce que je garde ou bien je vends? OK. Denis, vous n'avez pas pris un profit ici, là. OK? 39,59, c'était 20 cents. C'était 50 % que vous faisiez. Là, vous ne l'avez plus. Fait que ça aurait été bon de diminuer. Je ne veux pas tourner le fer dans la plaie, là.
Mais c'est la stricte vérité. Pour l'instant, il est sur un support quand même très, très, très important. Puis on peut le voir ici dans son graphique qu'à 35 cents, il y aurait un signal de vente sur le stock, un autre signal de vente. Deux titres d'or pour un achat. Bien, seulement si l'or décolle, hop, qui est sur le bord de le faire, en passant, est encore tout proche en haut. Regardons notre graphique ici. Donc, l'or est complètement sur son haut, mais malheureusement, regardez, je l'ai montré tantôt, l'or est complètement sur son haut, là, puis il revient tranquillement de bord, là. Et puis, mais les titres aurifères qui devraient être ici, en théorie, comme l'or, comme quand l'or était en hausse ce matin, les titres devraient être là, mais ils sont là. Donc, on voit une baisse de confiance dans les titres aurifères. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui vont décoller quand même. Quels sont les plus beaux? Dans les plus beaux, du côté des orifères, on avait Eldorado, puis regarde, il a repoussé. D'ailleurs, ce que je disais tantôt, c'était sur un nouveau haut, puis il l'a fait à 11,5 $. C'est Eldorado qui est le plus beau. Lequel autre? Parce qu'il était quand même un titre fort. Puis je regarde, là, j'en vois pas vraiment d'autres. Il y en a plusieurs qui pourraient venir passer leur résistance, mais pour l'instant, là, ils ne le font pas vraiment. Donc, le seul candidat qui est un beau signal dans le moment, c'est ELD. GIB.A payé 97,61. GIB.A. Il vaut 100,76. L'idée, c'est que quand il va briser son support, ça va être quasiment à votre prix payé. Donc, je me demande si, vous voyez, que là, il est quand même dans une situation un peu fatigante, là, 97,61. Il n'y aurait pas de tendance baissière avant qu'il traverse ce support-là, mais ce support-là, il est à 98,34. Fait qu'il resterait juste 70 cents à ce moment-là. Ça fait que je pense que on pourrait mettre un stop à 100 $ et quart, au moins sur la moitié de la position, là, 100 $ et 25. S'il touche 100 $ et 25, il va se rendre à 98,75, puis éventuellement peut-être un peu plus bas. OBS à Toronto. OBS, qui est le nom du switcher ici que j'ai aussi, entre autres. USB. Papier, Nord-Bord. Assez solide pour faire confiance pour une position? Non, parce que, regardez, c'est encore une grosse tendance baissière. Dans les derniers mouvements qu'il y avait eu sur les papiers, puis regardez l'indice du papier, l'ETH est en train de passer son support à court terme. Je ne sais pas s'il va passer l'autre de décembre, là, mais ça ne regarde pas bien. Wood n'est pas beau non plus. Donc, regardez, Cascade a performé de ce temps-là. Il y avait Interfort qui avait fait une poussée dernièrement ici, mais qui est en tendance baissière aussi. Canfor, il y a un élan il y a 3 jours, puis qui a avorté. Je ne pense pas qu'on peut faire très, très tant confiance que ça au secteur, quand tout le secteur est vraiment négatif, là. Donc, pour l'instant, il n'y aurait pas de signal d'achat sur OSB tant qu'il ne remontera pas à 32,50 $, c'est-à-dire dans le triangle à l'envers, là. Vous savez que je vous l'explique souvent. Donc, la tendance est comme ça, OK? La résistance est là. Donc, en premier, le titre, il passe dans le triangle à l'envers composé de la tendance et de la résistance. Il faut qu'il se stabilise 31,75. Puis après ça, il faut vraiment que le titre vienne inverser cette tendance-là et cette résistance-là. Donc, ce serait dans le coin de 32,40 $. Netflix pour un short. C'était pas un short, hein? On a demandé ça. Pour un short, en tout cas, j'ai oublié. Je pense que j'ai mal lu la question. C'est de ma faute. Pour un short, en tout cas, ce serait à partir de 26,5 $. Netflix pour un short. Ça commence à ressembler à ça pas mal, hein? Potentiel jusqu'à 237, 240. Le titre, est, à mon avis, est décidé carrément en élan baissier, là, d'après ce qu'on peut voir là avec sa traversée qui est faite là. Il y a quand même un autre petit support là. Je dirais, ça c'est 300, puis ça c'est 295. OK, c'est pas beaucoup, 5 $ sur 300, là, mais regarde, il va descendre encore un peu, mais moi, j'irais comme à 300.
Dans le moment, il vaut 301 piastres. BCE achat, quel est son potentiel? Le télécom sont en correction. L'inversement de la tendance se passera ici. Rogers est en chute. Ah, BCE est en train de passer. Bon. Et puis l'autre fait quoi? TELUS ne fait rien. Bon, on a-tu bien confiance que TELUS, que BCE va aller loin tout seul comme ça, là? Les autres sont tous négatifs. Puis lui, c'est sûr qu'il est plus fort, hein? Parce que les autres titres sont comme ici. Puis lui, il s'en va à l'inverse. On ne peut pas dire qu'il n'est pas fort, mais il y a une résistance à 62,65 $. Donc oui, ce serait évident qu'une traversée, mais tu sais, ça ne s'est pas fait rien sur des gros volumes, là, cette affaire-là. Regardez, c'est un volume bien faible pour sa journée là, à BCE. Dans le marché qu'on est là, il faut vraiment... je ne vais pas rire de vous, mais il faut vraiment avoir envie d'acheter, là, OK? Il faut vraiment avoir envie d'acheter. Nous, on n'achèterait pas ça. Ça ne me semble pas assez solide. Puis avec la, puis surtout qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel, là. Bon, combien on est rendu? 667, le marché à la baisse. Et qui va décrocher encore. Checkez bien. Tiens, il va être en train de décoller, lui-là, là. C'est un TVIX, avec le marché qui va faire un nouveau bas, le TVX va faire des nouveaux hauts, si le marché fait ses nouveaux bas, mais hop, ce gars vient juste de rebondir. Ça fait ça souvent. C'est pour ça que TVX, il est assez volatile, hein? Ça fait que quand on voit que le marché est sur le point de décrocher, souvent TVX, il va passer un petit peu sa résistance, comme ça, là, très, très, très légèrement, là, t'sais, comme ici. Mais si, finalement, le marché ne décroche pas pour vrai, bien, ça revire de bord. Fait qu'il y a beaucoup de faux petits signaux, là, OK? Sur les résistances ici, dans TVIX, tu vois, regarde, on en voit une ici, on en voit une là, puis on en voit une là. Donc, c'est toujours mieux sur TVIX de mettre le prix d'achat un petit peu plus haut que ce qu'on pense, parce que ceux qui le trade pourront le confirmer, c'est très, très facile de se faire prendre dans un faux signal, OK? Mais ce qu'il faut capitaliser, c'est ça ici, là. Ça nous prend une cote claire et nette là, à la baisse, vous voyez? On a juste traversé un tout petit peu pendant quelques secondes, puis c'est revenu à la hausse là, sur Nasdaq, et sur les autres marchés, on fait pareil. Vous voyez, le SPY là, qui vient de rebondir encore à la hausse. Là. Donc là, pour l'instant, TVIX, là, il n'est pas intéressant. Il pourrait le devenir, par exemple, c'est à surveiller, mais déjà qu'on ne pensait pas que le marché irait encore aussi bas que ça, mais regarde jusqu'à quel point, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut se tenir à nos tendances. Donc, quand on décroche dans une tendance baissière, bien, on joue les cycles à la baisse, puis quand on vient sur le point d'inverser la tendance, bien, faut se préparer à sortir de nos positions baissières. Bon, on va faire un petit tour de notre secteur. Là. Le secteur énergie est encore sur son bas. Là. USO n'a toujours pas rebondi, donc il y a encore un risque de décrochage. On vous le rappelle, le secteur, lui, a fait un nouveau bas, même si USO n'a pas fait un nouveau bas. Donc, ça l'a entraîné pas mal de titres baissiers du côté des titres-là. Même si vous ne shortez pas, si vous avez des positions dans des titres comme ça, quand ils sont nombreux à faire des élans à la baisse, ça appelle à diminuer les positions de ce côté-là. Donc l'or, regardez, n'a toujours pas passé. On va bien voir si ça va se faire, mais j'ai l'impression que ça va se faire si le marché accélère à la baisse. On est sur le bord, pas sur les titres, OK? Mais on est sur le bord sur l'or. Si le marché accélérait d'un autre, en vue de se rendre jusqu'à 800, bon, bien là, à ce moment-là, peut-être que les titres, eux, vont faire du rattrapage, puis ils vont pousser encore un peu plus haut. Mais il y a, comme on disait tantôt, pour l'instant, celui qui collabore le mieux, c'est Eldorado. Et puis, comme vous voyez, les mines, on est sur un nouveau bas. Donc, tout le secteur minier est là. Il n'y a pas de rebond pour l'instant. Donc, c'est encore possible que ça descende encore plus bas du côté des mines. Puis, dans les secteurs, bien, il n'y en a aucun qui est positif. Maintenant, on a la consommation discrétionnaire qui est en inversement de sa dernière tendance haussière depuis pas très longtemps parce que ça a rechuté. Il était à peu près 11 heures.
Parce que ce matin, on était juste en baisse, on restait sur le support. Donc, il n'y a pas de force du tout dans les titres de consommation discrétionnaire. On a Goose qui est en baisse, il y en a plusieurs des titres en baisse. Il y a Gildan qui a inversé sa tendance haussière. Il y a Magna qui retourne vers ses supports, puis c'est un titre qui est très pesant. Donc, il y a Great Canadian Gaming qui fait des nouveaux bas. La grande majorité des titres restent sont neutres ou qui testent des supports. Donc là, il n'y a aucun titre en progression. Mathieu demande VLN payé 9,77. Non, VLN, OK. VLN payé 9,77. OK, ça, c'est un titre qui transige pas beaucoup, ça, hein? OK. Ben 9,77, ça devait être probablement là-dedans. Ici, là, le titre est allé jusqu'à 10,80. Il y a eu un 10 % de profit quelque part, mais là, il y a plus 20 % de pertes, par exemple. Donc, il y a eu quand même de nombreux signaux de vente, là. Il y en a eu un. Ici, il y avait une raison de vente, juste pour un profit. Là, il y avait une raison de vente parce que la formation est inversée. Puis là, il y avait encore un autre signal de vente. Donc là, dans le moment, le titre est sur une pause. Ça s'inverserait s'il partait vers les 8 et quelques, mais il y aurait encore un autre signal de vente à 7,50. Tu sais, c'était pas un beau titre, ça, Mathieu, hein, à acheter là, en passant. Là, une affaire comme ça là, qui ne fait pas de volume, là, qui était bien facilement manipulable. Là. Regardez, aujourd'hui, il y a 100 actions de transiger sur le titre. Ça, c'est vraiment pas beaucoup, là. Donc, la techno, maintenant, se corrigeait presque pas ce matin. Maintenant, on se corrige plus. La consommation de base, maintenant, teste son support. La santé fait un nouveau bas. Est-ce que c'est le cannabis? Parce qu'il y a d'autres titres de santé aussi. Bien oui, c'est HMMJ qui a fait un nouveau bas. La majorité des titres sont tout proches de leur bas de la journée. Neptune n'est pas rendu, mais regardez, ACB a quand même perdu pas loin de 10 %. Hein. Ça roule dans quoi les baisses aujourd'hui dans ça? Donc, HMMJ brise son support, s'en va sur le prochain. Toutes les ETF sont laids. Puis oui, s'en va sur son support de 41$. Tilray est en décrochage. Aurora est en élan baissier présentement. Donc, qu'est-ce qu'on voit là quand même? Regardez. Weed, c'est 6,8%, Tilray, 14%, Aurora, 8%, Afria, 6%, Kronos, 4%, Neptune, 4%, Green Organic, 13%, puis 5, 8, 2, 9, OK? C'est beaucoup de pourcentages, tu sais, ça veut tout dire, là. Fait qu'il faut continuer à éviter ça. Je vais jeter un coup d'œil sur les autres titres de santé. Regardez, Bosch non plus, il est pas beau. Il fait un nouveau bas presque en train de passer sur son support. Il s'en va à 27,50. Et il y a un titre à surveiller, c'est Titan Médical là, qui avait monté avec pas des super volumes, mais des volumes en augmentation. Sa prochaine traversée serait 3,40 $. Et puis, Senior Living qui menace de traverser son support. C'est un titre assez tranquille. Extended Care aussi, maintenant, qui est rendu à son support. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres dans bien beaucoup de secteurs qui frisent l'inversement de leur tendance haussière. Puis ça, c'est sans compter tous ceux qui sont encore en tendance haussière. GLD, achat à 5,43. GLD. C'est pas celui-là. Tiens, on va mettre ça ici. GDL, excusez, c'est GDL. GDL, GDL. OK. C'est un autre titre qui n'est pas vraiment beau, ça, hein, qui ne fait pas de volume. Encore un autre stock qui fait sans action. C'est, quand vous voyez un graphique, là, puis qu'il y a un graphique qui ressemble à ça, là. Tu sais, on dirait que quelqu'un l'a dessiné, mais qu'il manquait de peinture, là. Bien, parce que c'est plein de trous. Quand c'est plein de trous dans le graphique comme ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de journées où il n'y a pas ou presque pas de volume. Écoutez, quand ce stock-là fait 10 000 de volume d'une journée, c'est déjà extraordinaire. C'est le plus gros volume, OK? Fait que ces compagnies-là sont à éviter complètement. Bon, vous avez payé 5,43. Là, ce que je peux dire, c'est qu'à 4,80, il y aurait un autre signal de vente. Je pense que si vous avez la chance de voir rebondir le titre à votre prix payé, ce serait une bonne idée de sortir de là.
je considère vendre à découvert EXE, Extended Care. OK, mais pas tout de suite, parce que là, il est en baisse juste de 3 % mais il ne décrochera peut-être pas en dessous de son support qu'on ne voit pas dans le graphique en intra-séance. J'essaie juste de voir s'il s'est calmé pour la journée. C'est comme, je n'ai pas tracé mon support assez précis tantôt, là. C'est un peu compliqué, hein, parce que regardez, ce titre-là, il a monté avec tellement de petits mini-cycles, OK? Un gros support, il est là. Il y en a un autre qui a duré presque 2 semaines ici. Puis là, ben, on est comme sur celui-là, là. Puis on l'a quand même un petit peu passé. Ça fait que ça nous prendrait, là, une belle formation, genre comme ça, puis suivi d'un nouveau décrochage. OK? Donc, il est déjà quand même en baisse, là, un peu pour la journée. Je dirais, suivez-le. Disons que s'il restait entre 8 et 15 et 8 et 25 encore, une heure ou deux, puis que là, il décrochait en bas de 8 et 15, je dirais oui, peut-être, éventuellement. Parce que c'est un petit peu compliqué, ces zones de support. OK? Quoi qu'il en soit, si vous décidez de shorter à ce prix-là, à 8,55, 8,60, il y aurait un inversement de la tendance baissière. Donc, le risque, dans le moment, c'est 40 cents sur 8 piastres. Donc, c'est 5 % de risque que vous auriez là, en le shortant là. Quand le revirement pour acheter HNU? Bien, seulement quand le gaz va changer de direction, le gaz est par en bas. Il y a eu un faux signal l'autre jour. Si quelqu'un était rentré là, il n'aurait pas nécessairement fait une mauvaise affaire. Il n'y a pas assez de données pour me rendre jusque-là, là, mais ça devait être quelque part là, proche de 20$ ici. Là. OK? Donc là, pour l'instant, regardez, HNU, ça, c'est sa tendance. OK? Son couloir haussier. Mais là, il a l'air plus à s'en revenir par en bas, OK? Puis HNU, ça suit UNG. Donc, c'est lorsque UNG viendrait passer au moins à 18,85 que vous pourriez ouvrir une position dans HNU. Mathieu, GWO payé 27,99. Great West. 27,99, il y a quelques jours, je conserve ou je vends. Moi, je vendrais. C'est 27,99, il y a quelques jours, vous l'avez acheté ici, quelque part là-dedans. C'était trop prématuré, OK? Il n'y avait pas de signal d'achat là-dedans du tout. À part que si vous avez voulu regarder ça trop à court terme, là, OK? Il y a quelques jours, 27,99, ça, c'est peut-être ici, là, que vous êtes embarqué là-dedans, quelque part dans ce coin-là. Parce que 27,99, c'est ce prix-là, OK? Donc, c'est quelque part sur la ligne. Donc, je présume que ce serait là, mais il y a eu un signal de vente ici. Et puis, si ça avait été ici, bien, il y avait un signal de vente ce matin, OK, sur ça. Puis là, bien, de toute évidence, c'est encore un signal de vente à 27,55, du côté de Great West. Là, il est sur un petit support présentement. Le secteur va assez mal, là, du côté des secteurs financiers. Ce n'est pas la seule des compagnies d'assurance qui chute. Il y a SLF qui s'en tourne vers son support. Il y a Manulife qui est à côté de son support. Il y a Industrielle Alliance, c'est la plus solide, même si elle fait un peu de correction. IGM aussi teste son support. Donc, et PowerFin aussi, puis en tout cas, regarde, c'est Intact, une autre compagnie encore qui est plus solide, mais la Great West, honnêtement, je la vendrais, là, la position. Bon, notre marché a essayé encore tantôt, mais ça a pas donné suite, là. Donc, on est dans cette formation neutre-là. Puis, qu'est-ce qui va décider si on va l'inverser? Si on traversait la résistance qui est là, ici, et ici, sur le TSX, la même chose, et sur le SPY. Vous voyez, les marchés, là, ils marchent à l'unisson aujourd'hui. Là. Il y en a un qui fait quelque chose, les autres font la même chose. Donc là, il y a encore une autre possibilité de décrochage. Ce serait si le DOR passait 25 604. Puis là, dans le moment, on a 25 630, donc ça va à peu près 25 points de baisse là, qui manque, mais on n'agit rien que dans ce cas-là, parce que si
puis si vous, vous aviez l'intention de faire des shorts, vous n'étiez pas encore tout à fait décis, bien, à la traversée à la baisse, ce serait la place, là, peut-être, pour ouvrir votre short. Et puis possiblement qu'on pourra peut-être, regardez, l'or continue toujours de faire comme s'il était pour traverser à la hausse. Donc, tranquillement, pas vite, les titres recommencent à monter. OK? Donc, notre Eldorado, qu'on a vu tantôt, devrait bien se comporter là-dedans. D'ailleurs, il vient tout juste encore de faire un nouveau haut. Donc, si on le regarde en minutes, on va voir que s'il a traversé ici à 12 heures, 1 minute. La Danielle dit l'or est à la veille d'accoucher de nouveau. Ben, je crois que oui. Je crois que oui. Mais je crois que ça, qu'ils attendent encore un autre décrochage du marché. Là, on est à 646 points. OK. Bon, écoutez, il reste encore 5 minutes en théorie, mais j'ai plus grand-chose à rajouter, moi, là-dedans. J'ai plus de questions à répondre. Il y a XO là, qui vient maintenant de faire un nouveau bas. Vous voyez, le cannabis, comme je vous l'ai dit ce matin, ce midi, Weed a ses résultats financiers ce soir. Bon. Qu'est-ce qui va arriver? Ça peut chuter comme ça peut monter. Ceux de Tilray n'étaient pas mauvais, n'étaient pas bons, mais ceux de VFF, l'autre fois, ils avaient été bons. Il empêche qu'il a quand même reperdu pas mal de plumes VFF depuis dans sa belle hausse qu'il a faite. Là. En fait, je pense que c'est ici qu'ils ont sorti les résultats financiers, je ne suis pas sûr. Il n'a jamais été plus loin. Puis là, pour l'instant, bien, sa dernière tendance haussière en intra-séance, son dernier cycle haussier, serait inversé s'il traversait les 17 et 25. Là. OK? Donc, pas de force du tout là, dans le cannabis là, à éviter. Là. Donc, on est mieux de ne pas toucher à ça. Puis même, je pense qu'on pourrait rester à la baisse encore une couple de jours. Hop, tiens, une autre petite question qui vient de rentrer. SIS, ton opinion? C'est pas là-dedans, ça. Si, ça va être ici. C'est pas loin d'un autre élan baissier. C'est un titre industriel, ça. Il est vraiment pas loin. Et puis, c'est pas vraiment avantageux. En tout cas, Mathieu, si vous l'avez pas, touchez-y pas, OK? Parce qu'on peut voir nettement le risque qu'il y a ici, là. OK? Vraiment, là. C'est un énorme support là, qu'on a ici, qui est testé plusieurs fois. Donc, aussitôt que le titre traverse là, ça va être la débandade. Là. Ça, il est déjà parti de 20$ à 11,5$, même plus que ça. Il était à 21$, puis il est rendu à 11$. Il a perdu 50% cette année, surtout au début de l'année. Mais là, c'est ce support-là qui est très inquiétant. Okay? Si ça passe à travers de ça, ça va accélérer à la baisse. Donc, il y a un signal de vente juste en dessous du prix actuel là, qui se ressemblerait à 11,25, 11,20. Novavax, une opportunité. On l'a vu tantôt. NVIX. Bon, il s'est clenché, il est monté jusqu'à sa résistance. Et puis là, bon, il est en train de redescendre. Donc, pour l'instant, il y a une prise de profit. Regardez, il a fait des gros volumes lors de sa dernière hausse. Ils ont commencé ici. OK? Bien, il était fort quand même par rapport à ce matin, là. Donc, les volumes étaient déjà forts dans la hausse. Mais où sont arrivés les plus gros volumes? Comme là où ça arrive souvent, j'en profite pour faire une petite pause éducative ici, là. Souvent, les plus gros volumes, tu sais, quand on dit embarquer sur un gros volume, mais c'est pas nécessairement le plus gros volume. Parce que pendant une série de volumes, c'est vrai pour les graphiques quotidiens, c'est vrai pour les graphiques intra-séance. C'est que Quand ça part à monter, bien, il y a beaucoup de monde qui achète. On voit les volumes qui grossissaient, là. Attendez, je vais mettre juste 50 données pour qu'on les voit mieux, OK? Donc, les volumes étaient déjà forts, là, ce matin. Mais quand on a traversé ici, là, bien, les volumes se sont mis à augmenter, OK? Ils regardent tout plus gros les uns que les autres. Mais, rendu ici, pourquoi le volume était gros de même? C'est parce qu'il y a des profits à protéger, là. Donc, les gens qui sont rentrés 5,80, 6,20, c'est déjà un gros profit si on considère que ça s'est fait en 5 minutes, OK? Donc là, ce volume-là, il est composé de hausses qui montaient encore
et de baisse. Okay? Donc, c'est un volume additionné de hausse et de baisse. C'est pour ça que ça devient les plus gros volumes. Parce qu'il y a encore du monde qui achète, puis il y a du monde qui commence à prendre des profits en même temps. Ça a l'air que c'était encore un autre gros volume. S'il n'avait pas fini une scène plus bas, le volume aurait peut-être même été vert encore. T'sais, mais ça a été une correction. Là, de toute façon, là, il faut le laisser se stabiliser ici. Même en hors-séance, il faudrait qu'il revienne là, qu'il se stabilise à 6,20 puis qui redécolle vers 6,35, OK? Autrement que ça, là, le titre est encore en tendance haussière pour la journée. Je vais revenir avec 100 données, là, 150, mettons, OK? Puis là, je vais le remettre ici. Peut-être plus, je n'en vois pas assez. Alors, c'est vrai, c'est parce que je t'en... OK, tiens, on va mettre 250. Regardez, la tendance est toujours haussière. Donc là, il pourrait aussi avoir moyen. Mais comme on a déjà beaucoup monté aujourd'hui, il ne faut pas être trop gourmand. Donc, s'il redécollait ici, à 6, c'est quoi ça? 6 et 5, ça? À 6 piastres, OK? Donc, s'il lâche sa braquette de 5,90 puis il redécolle à 6, mais son haut de 6 et 38, il faut avoir pris un profit là, OK? Donc là, ce serait un petit profit intra-séance. On se dépêcherait de prendre un profit, on ferait 6,30, OK, ce qui est 5%. Et puis, si après son 6,30, il continue en haut, on garde le deuxième 50% qu'on a. On en vendrait le premier à 6,30, puis on garderait le deuxième, OK, pour voir si on peut aller assez loin dans la journée pour aller coucher avec, pour voir s'il va vraiment passer sa résistance. CHR est-il un achat? CHR. Et non. Chorus Aviation, il en mange une un matin, il est venu chuter direct sur son support avant de rebondir, donc il n'y a pas d'inversement de la tendance, puis là, il est en train de remonter. Mais si vous embarquez là-dedans, c'est vraiment pour un très, très, très court terme, en voulant faire 7,35, 7,65, pas 30 cents, 5%, OK, qu'il y a une possibilité, parce que le titre est en revirement. Mais en swing trading, on n'achètera pas ça. Il n'y a pas assez de potentiel. Puis il y a beaucoup trop de résistance au niveau de 8 $. KL à Toronto. Bon, ça a rentré. Du coup, question, là, j'en ai trop maintenant. OK, là, je vais former la barre de questions. Puis je vais répondre à celle que j'ai. KL Toronto, seulement que sur un nouveau haut, OK? Seulement que sur un nouveau haut, seulement si l'or fait un nouveau haut aussi, OK? Donc ça nous prend une nouvelle traversée ici pour l'or, là, OK? Puis vous voulez voir les titres s'enclencher au-dessus de sa résistance, et pour ce qui est de Kirtland, ce serait 7 piastres. Celui-là, c'est une patate, 64 piastres. Cube sur T, OK, C-U-B-E. Je connais pas ça, moi, C-U-B-E. J'ai pas ça. Non. Que pensez-vous de S-G-M-A? Ouch! Encore, c'est bien ça, SGMA, SGMA, Sigma Lithium. OK, bon, le lithium, de toute façon, ça va pas trop bien à ce temps-là. Mais lui, cette compagnie-là, je l'aime pas du tout. Si vous avez pas ça, Marcel, achetez pas ça, là. C'est comme, regarde, ça, c'est vraiment poche, là, ce titre-là. En C1, comme je parlais tantôt, là, qui est plein de trous, là, on dirait qu'ils ont manqué de peinture pour le dessiner, là. OK? Il y aurait quand même un signal d'achat à 2 $, mais c'est parce que ce titre-là, il fait pas de volume. OK? Donc, regarde, sur pas grand-chose, regardez ici, là, sur un volume de 30 000, le titre est parti de 1,95, il a touché 1,77, puis il est remonté à 1,95, là, sur 30 000 de volume. Donc, ça montre comment il fait plein de faux signaux, ce titre-là. C'est vraiment pas un titre intéressant. Que penses-tu de l'or GLD? Bien, ce que je dis depuis tout le temps, l'or, ça va devenir favorable si vraiment on vient passer le haut de ce matin à 143,5 $. GDC est un haut. GDC. GDC, est-ce un achat BOU?
GDC, c'est pas non plus, regarde, c'est encore une autre cochonnerie, ça, là, ça vaut rien pantoute, là, regarde, vous touchez pas à ça, un titre comme ça, là, regarde, premièrement, il fait que descendre, il est encore sur le point de chuter, il met de la pression sur son support, ce titre-là est pas liquide, aujourd'hui, il y a 12 000 actions transigées là-dessus, là, c'est vraiment très peu, pas recommandable du tout, mais regarde, ici, il y avait des gros volumes, là, 200 000, mais c'était des baisses, regarde, si je les enlève, on voit la moyenne des autres, là. Il y a la moyenne de volume de ce stock-là, c'est 2800 actions transgées. C'est vraiment pas assez bon. Hive, pas pire. Non, les blockchains bougent. Ça m'étonnerait, ça, là, que ça bouge vraiment. Et puis, qu'est-ce qui se passe là-dessus? J'ai un problème avec HBLK, le Bidenas qui est là, mais il ne s'est pas tradé. Es-tu débarqué, lui? Non, il trade plus. Il n'est pas tradé aujourd'hui, mais il y a un Bidenas. C'est bizarre. Bon, on va regarder Hive maintenant. Block, en tout cas, est en chute. Lui aussi, le iShares est en chute. Ils sont tous en chute. Donc là, regarde, c'est une tendance baissière, OK, Hive. Et puis là, il y aurait un potentiel du prix actuel, qui est de 32 cents, à aller à 42 cents. OK? Donc, vous pourriez vouloir faire le swing, là, dans le swing trading, là, regardez, comme ça, là, parce que son stochastique est survendu. Oui, il pourrait remonter. Oui, vous pourriez l'acheter au prix actuel en espérant venir le revendre à 40 cents. Par contre, il y a un bémol. Si le titre tombe à 31 cents, 29, 31, quelque chose du genre, 29,5, 29, il faudrait le vendre, parce qu'à ce moment-là... attendez un peu... comme ça. Tiens. Parce qu'à ce moment-là, le titre serait en traversée, puis il s'en irait sur son support de 25 cents. OK? Donc, pas pire, non, pas beau. Juste un petit peu de potentiel, ce qui est quand même énorme, là. 33 à 40, c'est presque 20 %, là. T'sais? Mais c'est dans le genre de pourcentage comme ça que ça roule, là, ces stocks-là. OK. Bon, on décrochera pas ça à l'air parce que là, on a fait un petit inversement très, très soudain là et très rapide. Ça n'a pas été loin au-dessus de la dernière résistance où il y a l'inversement. Donc, on va lui donner le bénéfice du doute, là, mais on va lui demander de venir faire une petite traversée. Bon, puis regarde, ça se passera pas. Regarde, le dollar est en train de revenir. Donc, ça a été un faux décollage, ce coup-là. Puis je pense que ça va retourner direct en bas. Ce serait même un bon temps pour peut-être TVIX pour une couple de minutes. OK, c'est tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve une prochaine fois.